Lisette, oui, je vais bien. Et en plus, aujourd'hui, on est samedi. Et j'aime bien le samedi. Tu sais pourquoi, Noisette? Oui, parce que le samedi, on parle des apparitions de la Vierge. Eh bien, aujourd'hui, on va terminer de parler de la Vierge de Pontmain. Après le Magnificat, Monsieur le curé dit à sœur Marie-Édouard : Il faut chanter les litanies de la Sainte Vierge pour la prier de manifester sa volonté. La sœur commença, tout le monde répondit, et voici qu'aussitôt, d'autres lettres d'or parurent sur la banderole qui donnait la réponse de Marie. À la fin des litanies, les enfants lisaient : Dieu vous exaucera en peu de temps. Quelle joie dans l'assistance lorsque les voyants eurent lu et relu ce message de paix. C'est fini, disait-on. La guerre va cesser et nous aurons la paix. Oui, reprit Eugène, mais priez. Les litanies furent suivies du chant de l'Inviolata. Aussitôt, de nouvelles lettres parurent sur une deuxième ligne. Au moment où l'on chantait Ô Mater Alma Christi, ô bienheureuse mère du Christ, les enfants épelaient Mon fils. Il n'y avait maintenant plus de doute possible. C'était bien la Sainte Vierge qui apparaissait, comme on l'avait supposé dès le début. Elle ne se lassait pas de sourire aux enfants et d'écouter attentivement les chants. Pendant le chant du Salve Regina, des lettres continuèrent de s'inscrire sur la banderole et achevèrent de livrer le message « Mon fils se laisse toucher ». Un gros trait d'or soulignait cette seconde ligne pour bien marquer l'importance et la valeur toujours actuelle de la promesse. Pendant que les voyants relisaient sans cesse et expliquaient le message, la plus grande partie des assistants priaient. « Chantez un cantique à la Sainte Vierge, » dit Monsieur Guérin. La sœur entonna le cantique « Mère de l'Espérance » que l'on chantait si souvent. Aussitôt, la Vierge éleva les mains à la hauteur des épaules en agitant les doigts, comme pour accompagner le chant, et son sourire se fit encore plus doux. « Voilà qu'elle rit ! Voilà qu'elle rit !» s'écrièrent ensemble les enfants. Et ils sautaient de joie et battaient des mains en répétant « Oh, qu'elle est belle ! Oh, qu'elle est belle !» Les assistants riaient aussi et pleuraient d'émotion. Vers la fin du cantique, la banderole et l'inscription disparurent tout à coup, comme si un rouleau invisible les eût effacés. Monsieur le curé fit chanter le cantique « Mon doux Jésus, enfin voici le temps de pardonner à nos cœurs pénitents. » La Sainte Vierge tomba alors dans une profonde tristesse qui se refléta sur le visage des voyants. Elle ne pleurait pas, mais sa peine dépassait tout ce que l'on peut imaginer. C'était la mère de Jésus, attristée par la pensée des péchés qui ont fait mourir son fils sur la croix. « Voilà encore quelque chose qui se fait !» crièrent les enfants. Une croix d'un rouge vif, haute de 50 cm, venait de paraître en avant de la Sainte Vierge. Elle portait un Christ tout couvert de sang, et au sommet de cette croix, il y avait une deuxième traverse blanche sur laquelle était écrit en lettres rouges « Jésus-Christ ». La Vierge abaissa les mains, prit la croix, la tint devant elle, un peu inclinée vers les voyants. Dès le début du cantique, une étoile située au-dessous de l'apparition se mit en mouvement. Elle entra dans l'ovale, puis alluma successivement les quatre bougies, en commençant par la gauche. Elle ressortit ensuite au-dessus de la tête de la Sainte Vierge et alla se placer au-dessous de l'étoile supérieure du triangle. Les quatre bougies restèrent allumées jusqu'à la fin de l'apparition. La Sainte Vierge, qui jusqu'à ce moment avait regardé l'assistance, abaissa alors les yeux pour les fixer, pleins de douleur, sur le Christ en croix qu'elle présentait. Ses lèvres remuaient. Elle priait avec les enfants et l'assistance, demandant elle-même pardon pour les pécheurs. Elle montrait ainsi comment elle-même se laissait toucher par leurs supplications si souvent renouvelées. « Priez pour nous, pauvres pécheurs !» Pendant toute cette phase de l'apparition, les enfants se sentaient le cœur serré. Bien des larmes coulèrent dans l'assistance. Aussitôt après le dernier couplet, Monsieur le curé fit chanter « L'Ave Maris Stella ». Immédiatement, le crucifix rouge disparut. La Sainte Vierge abaissa les mains, tendues vers les assistants, comme au début, et au même moment, une petite croix blanche parut comme plantée sur chacune de ses épaules. La dame reporta aussi son regard vers les voyants et leur sourit de nouveau, d'un beau sourire empreint de gravité. Il était bientôt 21 h. On avait récité ou chanté toutes les prières connues par cœur. « Mes amis, dit Monsieur le curé,
Nous allons faire ensemble la prière du soir, puis si la vision continue, nous continuerons de prier. » La prière venait de commencer. Les enfants aperçurent une sorte de voile blanc qui se déroulait en avant de la Vierge. Arrivé à la hauteur de la ceinture, il s'arrêta quelques instants, puis continua de monter. Il s'arrêta de nouveau à la hauteur du cou. Bientôt, la couronne resta seule visible, puis elle disparut elle-même subitement au moment où s'achevait la prière. « Voyez-vous encore ?» dit Monsieur le curé, et tous ensemble de répondre « Non, Monsieur le curé, tout a disparu, c'est tout fini. » L'assistance se dispersa lentement, réconfortée par le message de confiance apporté par la Mère de Dieu. Quant aux petits voyants, ils emportaient le souvenir ineffaçable des sourires et du regard plein de tendresse de notre Maman du Ciel. Monsieur le curé, vivement ému par tout ce qui venait de se passer sous ses yeux, rentra à pas lents dans son presbytère. Le lendemain matin, le bon curé vint prier en son église. Son visage était transfiguré par la joie et la reconnaissance. « Oui, je crois que c'est vraiment la Sainte Vierge qui nous est apparue, disait-il. Ah, que nous l'aimons !» Et il continua de prier et de faire prier comme le demandait la céleste visiteuse. Chaque matin, l'église se remplissait de nombreux fidèles. Le soir, on y faisait la prière en commun. Comme à Pontmain, dans tout le pays, on priait et suppliait la Vierge, reine de France, pour obtenir la paix. Dans la chapelle Notre-Dame d'Espérance de Saint-Brieuc, au soir du 17 janvier, entre 18 et 21 heures, aux heures mêmes de l'arrivée et du départ de la messagère d'espérance et de paix dans le ciel de Pontmain, on faisait un vœu pour obtenir de Marie que la Bretagne ne fût pas envahie par les troupes allemandes qui approchaient. Dans Paris assiégé, on priait aussi avec ferveur. En ce soir du 17 janvier, commençaient à Notre-Dame des Victoires de solennelles prières qui devaient se prolonger jusqu'au 28 afin d'obtenir la cessation de la guerre et la libération de Paris. Le prédicateur, M. l'abbé Amaudru, prononça ces paroles visiblement inspirées qui émurent l'assistance. « Nous ne franchirons pas le seuil de ce temple consacré à la Sainte Vierge sans avoir promis de lui offrir un cœur d'argent qui apprendra aux générations futures qu'aujourd'hui, entre 8 h et 9 h du soir, tout un peuple s'est prosterné aux pieds de Notre-Dame des Victoires et a été sauvé par elle. » 17 janvier, 8 h du soir, Marie proclame à Pontmain « Mon fils se laisse toucher ». Comment ne pas remarquer cette merveilleuse coïncidence? Notre-Dame de Pontmain, c'est la reine de France qui promet, et bientôt obtient, la paix pour le peuple qui s'est donné à elle. Au moment précis où elle promettait la paix aux petits-enfants de Pontmain, les troupes allemandes étaient établies dans le voisinage immédiat de Laval et recevaient du général von Schmidt l'ordre de prendre la ville qui était sans défense. Mais dans la nuit du 17 au 18, le prince Frédéric Charles donnait contre-ordre. Le lendemain avait lieu à Saint-Mélaine, à 2 km de Laval, les derniers combats qui se terminaient à l'avantage de l'armée française. Le 20 janvier, Laval vivait encore dans l'inquiétude car la nouvelle de l'apparition n'était pas connue. Monseigneur Wicard, évêque de Laval, faisait dans la basilique d'Avesnières le vœu de rétablir la tour et la flèche pour que la ville fût préservée de l'invasion. Le jour même, les troupes allemandes commençaient à évacuer la Mayenne. Le message de Pontmain se réalisait. « Priez, Dieu vous exaucera en peu de temps. » Le 28, l'armistice était signé. La nouvelle de l'événement de Pontmain se répandit très vite dans toute la contrée. Des campagnes et des bourgs voisins, on accourait en foule pour prier celle que l'on appelait déjà Notre-Dame d'Espérance de Pontmain. Mais les enfants ne s'étaient-ils pas trompés? Marie était-elle vraiment apparue? Monsieur le doyen de Landivy avait des doutes sur la réalité de l'apparition. Dès le 19 janvier, il vint faire son enquête. Après avoir interrogé séparément les voyants, il reconnut en eux beaucoup de sincérité et acquit la pleine conviction de la réalité de la vision. « Nous devons parler, disait-elle, c'est la Sainte Vierge qui le veut. » Jeanne-Marie dut même un jour se montrer héroïque. Un officier de passage à Pontmain l'interrogea sur sa vision, puis tout à coup, lui mettant l'épée sur la poitrine, il lui dit « Tu mens, si tu ne veux pas l'avouer, je te tue. » La fillette pâlit et se mit à pleurer. « Je ne peux tout de même pas dire autre chose que ce que j'ai vu, répondit-elle. » Malgré les menaces et les promesses de toutes sortes, les réponses des voyants furent toujours les mêmes, simples, claires, parfaitement identiques. « C'est comme ça, disait-il,
nous ne pouvons pas dire que c'est autrement, puisque nous avons vu ça comme ça. Nous n'avons pas menti, dirent-ils un autre jour. Nous avons dit ce que nous avons vu, rien de plus, rien de moins. Le 14 mai suivant, l'évêque de Laval donnait la confirmation à Pontmain. Il voulut voir et interroger séparément chacun des voyants qui avaient fait le matin même leur première ou seconde communion solennelle. Après leur avoir montré l'importance de leur témoignage, il les fit prêter serment sur l'Évangile. Au vêpres, Monseigneur monta en chaire et, avec une profonde émotion, proclama sa croyance personnelle à l'apparition en déclarant « Je crois ». À partir de ce jour, les pèlerinages se multiplièrent. Une faveur particulière augmenta encore la confiance envers la Sainte Vierge. M. Guérin lui avait consacré ses 38 paroissiens mobilisés et leur avait promis qu'ils reviendraient tous. Au début de juin, tous étaient rentrés dans leur foyer, sauf un, prisonnier en Allemagne. Sa sœur demanda une messe pour obtenir son retour, messe qui fut fixée au 17 juin. Comme le pasteur s'apprêtait à monter à l'autel, la jeune fille lui annonça que son frère venait de rentrer. Le 29 juin 1871, on amena à Pontmain un petit garçon de 10 ans, Émile Gratien, de Parigné, diocèse de Rennes. Depuis le mois de mars, il ne marchait que difficilement, avec des béquilles. Tous les remèdes employés étaient restés sans effet. Après avoir prié à l'église, sa mère lui dit « Allons, Émile, aie confiance dans la bonne Vierge, essaie de marcher sans tes béquilles. » L'enfant essaya timidement, et voilà que ses jambes le soutinrent et qu'il put faire quelques pas. Sa mère poussa un cri de joie. « Voyez, dit-il en sautant, c'est la bonne Vierge de Pontmain qui m'a guéri. » Au début de 1872, monsieur le curé de Pontmain écrivait « Parmi les lettres de reconnaissance qui me parviennent à tout instant, j'en signalerai au moins 150 renfermant des récits de guérison que j'appellerai autant de miracles. » Toutes ces faveurs merveilleuses de Notre-Dame de Pontmain attirèrent les foules. Dans la première année, on compta près de 100 000 pèlerins, et cela malgré l'absence de moyens de communication. Il semble bien pourtant que la Sainte Vierge attire surtout à Pontmain pour y octroyer des grâces de sanctification et de conversion. Elle agit directement sur les esprits et sur les cœurs, et n'accorde que plus rarement des guérisons corporelles. Le bon monsieur Guérin put constater un si grand nombre de retours à Dieu dès le premier mois qu'il appelait la Sainte Vierge Notre-Dame des conversions. Le premier anniversaire de l'apparition donna lieu à une belle manifestation de foi et de confiance en Marie. Malgré le froid, 8 000 personnes accoururent de tous les environs. Dans la soirée, une procession sortit de l'église pour se rendre au champ de l'apparition, en passant par la grange Barbedette, décorée et illuminée à cette occasion. Et devant une belle statue de la Vierge, on chanta « Mère de l'Espérance » comme au jour de l'apparition. Le 2 février 1872, l'évêque de Laval publiait sa lettre reconnaissant l'authenticité de l'apparition de l'Immaculée Mère de Dieu. Il autorisait son culte dans le diocèse sous le vocable de « Notre-Dame d'Espérance de Pontmain ». Samedi prochain pour parler à nouveau de la Vierge. À bientôt, au revoir.